L'ingénierie dirigée par les modèles, ou Model Driven Engineering en anglais. En résumé, pourquoi est-ce que je préfère écrire des programmes qui écrivent des programmes plutôt que d'écrire des programmes? Donc voici le plan de ce cours et des différentes vidéos qui vont suivre. Donc on va commencer par une introduction au concept de l'ingénierie dirigée par les modèles en deux parties. Puis on prendra une étude de cas, celle de la création d'un métamodèle pour le langage Logo. On verra comment augmenter ce métamodèle avec de la sémantique statique exprimée en OCL, l'Object Constraint Language. Ensuite, on verra comment insuffler de la vie dans ce métamodèle, c'est-à-dire comment faire en sorte de pouvoir simuler des programmes Logo de manière concrète en donnant une sémantique opérationnelle à ces programmes. Puis on verra comment donner une sémantique transformationnelle en construisant un compilateur de ces programmes Logo au travers de transformations de modèles. Et on conclura sur ce qu'on a appris sur l'ensemble de ces cours. Donc pour mémoire, l'ensemble de ce cours est supporté par le livre Ingénierie des modèles dont vous pourrez trouver le PDF sur ce site. Alors, juste un petit retour sur la modélisation. Pourquoi est-ce qu'on fait de la modélisation? Simplement pour maîtriser la complexité, comme dans toutes les sciences. Quand on a un logiciel complexe, on va le modéliser pour en maîtriser les différentes dimensions de complexité. Donc si on revient à la définition de ce qu'est la modélisation, dans le sens général, c'est l'utilisation efficace en termes de coût de quelque chose à la place de quelque chose d'autre dans un objectif cognitif donné. Donc c'est l'idée qu'on va utiliser quelque chose qui est plus simple, plus sûr ou moins cher que la réalité, à la place de la réalité dans un objectif donné. Donc ça c'est quelque chose qui est valable dans toutes les disciplines. Si je fais de la chimie, je m'intéresse à faire réagir de l'oxygène et de l'hydrogène, eh bien je peux le faire en vrai et ça me saute à la figure, ou bien je peux faire en sorte d'en faire un modèle et puis faire des calculs sur ce modèle-là. C'est quelque chose, le modèle va être plus simple, plus sûr et moins cher que la réalité lorsque je veux étudier ce qui se passe, par exemple. Donc le modèle représente la réalité ou un aspect particulier de la réalité dans un objectif donné. C'est une abstraction de la réalité dans le sens où il ne peut pas représenter tous les aspects de cette réalité. Ça nous permet de faire face au monde d'une manière qui est simplifiée en évitant la complexité, le danger et l'irréversibilité de la réalité. Donc cette définition, nous les devons à Jeff Rosenberg. Alors, en science et en ingénierie, pour faire simple, un modèle, c'est une représentation simplifiée d'un aspect du monde dans un objectif donné. C'est la définition que je vous demanderai de retenir. Une représentation simplifiée d'un aspect du monde dans un objectif. Donc, on trouve la notion d'abstraction, c'est-à-dire que c'est simple. On ne va pas prendre tout le monde, on va prendre la partie qui nous intéresse, l'aspect du monde qui nous intéresse, et puis un modèle a forcément une intention. On fait pas, on n'essaie pas de modéliser le monde entier ou la réalité dans son ensemble, on le modélise parce qu'on a une intention. En ingénierie, la particularité, c'est que l'intention, en général, c'est de construire. C'est-à-dire qu'on va, au contraire des sciences naturelles, qui modélisent des choses existantes, en ingénierie, on va modéliser des choses qui n'existent pas encore. Lorsqu'on veut construire un pont, on commence par en faire un modèle. Lorsqu'on veut construire un avion, on commence par en faire un modèle avant de le construire pour de vrai. Et donc, on va avoir ces concepts de la réalité, qu'on appelle souvent le niveau M0, la réalité du monde, qui va être modélisée au niveau M1. On va en faire une description. Dans un langage formel ou informel, de cette réalité-là, suivant ces différents aspects, ce qui va donner lieu, si on a différents aspects de la réalité, par exemple, là, on s'intéresse à un système de positionnement par satellite, la réalité, c'est qu'on va avoir des utilisateurs, on va avoir le système lui-même, et puis on va avoir ce sur quoi il s'appuie, c'est-à-dire la constellation de satellites qui lui permet de calculer sa position. Et ça, ça va donner lieu à différents modèles qui vont représenter ces différents aspects de la réalité, comme des abstractions simplifiées de ce qui se passe. Alors en général, la réalité et le modèle ont des natures différentes. C'est connu depuis extrêmement longtemps avec Sun Tzu, par exemple, à qui on doit probablement la maxime, il ne faut pas confondre la carte avec la réalité, la carte du terrain. C'est une description de la géographie de la réalité, et évidemment, c'en est une abstraction.
Ça a été très bien perçu par Magritte, par exemple, avec ce beau dessin qui est « Ceci n'est pas une pipe », hein, on ne confond pas le modèle avec la réalité. La particularité des modèles logiciels, c'est que le modèle a la même nature que la réalité qu'il décrit. C'est-à-dire, un modèle, c'est quelque chose qui va pouvoir prendre une forme soft et donc va pouvoir être décrite en logiciel, de même que le logiciel. Et ça permet quelque chose d'absolument unique dans toutes les disciplines d'ingénierie, c'est-à-dire qu'on va pouvoir passer de manière simple d'un modèle d'un logiciel à ce logiciel, puisque tous les deux ont la même nature. D'accord? Or, ce n'est pas le cas, hein, dans les autres sciences, et dans les autres ingénieries. Par exemple, si vous prenez le génie civil, vous avez votre modèle du pont qui existe quelque part, qui soit sous forme d'un dessin sur un plan d'architecte, qui soit sous forme d'un modèle informatique, qui soit même sous forme d'une maquette sur une table, eh bien, pour passer à la réalité, on ne va pas pouvoir, en quelque sorte, souffler dans le modèle pour le faire grossir jusqu'à ce qu'il devienne la réalité. Hein, il y a une différence conceptuelle entre le modèle et la réalité. Alors qu'en logiciel, évidemment, on peut passer facilement de l'un à l'autre, puisque tant le modèle que la chose modélisée, qui est le logiciel, sont des choses qui existent dans le domaine du soft. Alors, ce que je vous dis n'est plus tout à fait vrai, grâce à une nouvelle chose qui sont les imprimantes 3D, où on peut passer de modèles d'objets physiques à la réalité grâce à l'imprimante 3D. D'accord? Donc, c'est une évolution récente. Mais habituellement, on a une différence entre les deux. Et d'ailleurs, beaucoup de choses de ce cours vont s'appliquer lorsque vous êtes intéressé à faire marcher une imprimante 3D. Vous avez des modèles sur lesquels vous devez raisonner et à partir duquel vous devez générer quelque chose qui est le programme qui fera travailler cette imprimante 3D. Alors, modélisation, c'est quoi? C'est l'abstraction d'un aspect de la réalité dans un objectif donné. Donc j'ai forcément plusieurs aspects. Donc par exemple, si je m'intéresse à un système de GPS, je vais probablement avoir des tas de modèles différents qui montre les différents aspects qui peuvent m'intéresser autour de ça. Le modèle de cas d'utilisation, c'est-à-dire comment je vais utiliser ce système, le modèle objet, quelles sont les entités qui sont manipulées, le modèle de qualité de service, à quelle vitesse je réponds avec quel taux d'erreur, le modèle de sécurité, le modèle de plateforme, le modèle de test, le modèle d'interface utilisateur-machine, le modèle de business, etc. Donc j'ai tout un ensemble de modèles. Et faire ce qu'on appelle l'analyse, ça consiste à séparer ces préoccupations dans différents modèles qui sont suffisamment simples pour qu'on puisse les comprendre et raisonner indépendamment sur les différents modèles. Par exemple, le modèle de sécurité, ça va me permettre de raisonner dessus et de voir bah, s'il y a des failles de sécurité ou pas. D'accord? Donc ça, c'est la séparation des préoccupations. La modélisation induit forcément une séparation des préoccupations dans ces différents aspects. Si je regarde ce que font les concepteurs, eh bien, ils prennent ces différents aspects, ces différents points de vue, et ils essayent de les intégrer dans un modèle de conception qui donnera lieu à du logiciel qui tournera finalement sur la machine. Et donc, ce que font les concepteurs de logiciels, c'est qu'ils prennent ces différents modèles, ils les composent dans leur tête, en disant, bah, tiens, j'avais un modèle d'objet, mais qu'il faut que je gère cette sécurité et la qualité de service pour rendre tel type de service, alors voilà comment je vais entrelacer mon code pour pouvoir avoir un modèle de conception qui prend en compte toutes ces préoccupations. D'accord? Et ça, c'est vraiment le boulot d'un concepteur logiciel. Alors ça, c'est très bien, et ça marche tout à fait bien tant qu'on est dans l'artisanat, mais à un moment donné, et comme très souvent dans les grands systèmes logiciels, je me retrouve non pas avec un logiciel à fabriquer, mais toute une famille de logiciels dans lesquels l'un ou l'autre de ces aspects peut varier. Par exemple, je peux vouloir utiliser cet ensemble de choses-là pour des plateformes différentes, c'est-à-dire pour un téléphone portable, un GPS de voiture et plein de choses comme ça. Et donc, je vais avoir des plateformes qui vont varier. Je peux avoir différents modèles de sécurité, je peux avoir différentes variantes au niveau de l'utilisation et de ce que je rends comme service. Et évidemment, si j'ai fait cette composition dans ma tête, eh bien, je suis obligé de la refaire de A à Z à chaque fois que j'ai une nouvelle variante qui apparaît. Et ça, c'est ce qui est extrêmement coûteux quand on fait du logiciel. Donc, un des grands challenges qu'on a, c'est dans ce contexte de famille de produits où on a un ou plusieurs aspects qui varient, c'est de pouvoir réutiliser ce processus de composition ou de tissage des différents aspects entre eux, hein, et de le faire automatiquement de manière à obtenir ce modèle de conception, non plus à la main, mais par un programme. C'est-à-dire, au lieu de produire de manière répétitive ce modèle de conception, eh bien je vais écrire un programme qui va
composer ces différents aspects pour obtenir mon modèle de conception. C'est l'idée de créer des programmes qui écrivent des programmes à la place d'écrire de manière répétitive le même programme, simplement pour les différentes plateformes, par exemple, ou pour différents modèles de sécurité. Donc ça, c'est vraiment l'essence de l'ingénierie dirigée par les modèles. Évidemment, pour permettre de faire ça, il va y avoir une contrainte qui est que si on veut écrire un programme qui prend en entrée ces différents aspects pour produire en sortie ce modèle de conception, il faut que les modèles qui sont là soient suffisamment formalisés pour être compréhensibles par notre programme. Alors que quand c'est un designer, un humain qui fait cette composition, et bien la plupart de ces modèles peuvent être tout à fait implicites et ça peut très bien lui suffire. Ça peut être une formule au dos d'une enveloppe, ça peut être quelque chose qu'il a entièrement dans la tête et il arrivera à faire cette composition. À partir du moment où je veux créer un programme qui fait cette composition, et bien il faudra que ces modèles soient suffisamment formalisés pour me permettre de le faire. Alors ce que je vous présente ici, là, c'est une vision, c'est-à-dire c'est vers ça où on va. Aujourd'hui, aucun outil nulle part dans le monde n'est capable de faire cette composition de manière automatique. On sait le faire partiellement, on sait faire varier un des aspects recomposés. On a tout un tas de technologies, et on en verra un certain nombre cette année, qui permettent de faire des morceaux de cette vision. Cette vision-là est pour l'instant simplement une vision, un objectif de recherche qui est aujourd'hui pas complètement réalisé, ou disons qui n'est que simplement partiellement réalisé, mais qui va guider beaucoup des choses qu'on va voir cette année. Donc nous avons des systèmes complexes, avec de nombreuses préoccupations, de nombreux points de vue, de nombreuses parties prenantes et de nombreux domaines d'expertise. On a donc besoin de nombreux langages pour les exprimer. D'une manière à ce qu'elles soient pertinentes et qu'il y ait du sens pour les experts qui les expriment, et avec des supports outillés pour pouvoir faire de l'analyse de ces modèles, de la génération de code, de la validation et vérification, qui sont toujours, ce support outil est toujours coûteux à bâtir. Et évidemment, à un moment donné, on a séparé les préoccupations, mais elles doivent pouvoir être recomposées. Donc pour ça, on a besoin de langages de modélisation à partir du moment où ces différents points de vue ici sont exprimés de manière formelle. Ben ça veut dire qu'on a un langage pour les décrire et qu'on a besoin de langages de modélisation. Ce cours ne fait pas d'hypothèse particulière sur les langages de modélisation que vous pouvez utiliser et l'ingénierie dirigée par les modèles s'applique quels que soient les langages de modélisation que vous pouvez utiliser, y compris lorsque votre langage de modélisation, c'est tout simplement un langage de programmation général. Un langage de modélisation général comme UML, par exemple, ou l'un de ses profils, par exemple, Marté, qui est utilisé pour les systèmes temps réel. Donc ça peut être un langage de modélisation général, mais ça peut être aussi un langage de modélisation spécifique à un domaine, ce qui est très très utilisé par exemple dans l'industrie automobile ou dans l'aérospatiale, où on va trouver souvent l'exemple de MATLAB Simulink pour décrire des systèmes automatiques. On peut tout à fait aussi utiliser des langages de programmation généraux, par exemple Java, comme langage de modélisation. Java, si on se limite à sa capacité à décrire des classes et des attributs, est souvent utilisé pour décrire un modèle de données, par exemple. Donc on peut très bien avoir des DSL, enfin des GPL, des General Purpose Programming Language, qui sont utilisés comme langage de modélisation. C'était par exemple quelque chose qui a été utilisé dans GWT, le Google Web Toolkit, où en fait on utilisait du Java pour modéliser des IHM qui étaient ensuite transformés vers du JavaScript. On a d'autres moyens d'avoir ces langages de modélisation en utilisant des choses comme des annotations ou la notion d'aspect sur laquelle on reviendra, qui permet d'étendre un langage avec des particularités qui vont être utilisées pour pouvoir décrire des choses au-delà de ce langage. Dans tous les cas, dans tous ces cas d'utilisation, on va utiliser un langage et on aura besoin de traiter ce langage, de traiter les concepts qui sont dans ce langage-là, pour pouvoir générer du code ad hoc, et donc on aura besoin de ce qu'on va appeler de manière générale des processeurs de langage.